Nous continuons alors notre série de l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous sommes au chapitre 10. Et puis ici, au chapitre 10, qui, qui ici a, a pu suivre toute la série depuis le chapitre 1 jusqu'au chapitre 10? Lève la main. OK, ouais, quand même quelques-uns, d'accord. OK. Donc, si vous avez remarqué, au chapitre 100, qu'il y a quoi? Il y a un livre. Ça tombe bien parce que dans le spectacle, il y aura un livre. Et puis ici, il y a aussi un livre. Bon, ce pas la même taille, hein. on est d'accord. Le livre ici du chapitre 10, ce n'est pas la même taille. C'était plutôt un truc en, beaucoup plus petit que ça. Et puis je crois que c'est la, la lumière. Non, on n'a pas de lumière là-dedans. Donc, mais ici, au chapitre 5, il a, au chapitre 10, pardon, il y a aussi un livre. Et puis, si vous, laissez, vous voulez laisser votre Bible ouverte au chapitre 10, D'abord, Jean, il voit cette fois-ci, il voit un ange tout-puissant. Et cet ange, c'est intéressant parce que l'ange, il a les pieds droits sur la terre et puis les pieds gauches sur la mer. C'est un ange puissant, énorme, il a les pieds droits sur la terre, le pied gauche sur la mer. Cela représente, c'est plutôt une expression de souveraineté, de contrôle, de domination. Donc, il y a la domination sur toute la terre, sur toute la mer. C'est une expression, justement, de contrôle, de, de, de souveraineté. Certains commentateurs diront que ce, cet ange-là, tout-puissant, était Jésus. Bon, euh, ici, l'ange, si, si vous avez votre Bible vert, vos, verte, il apparaît ici, enveloppé d'une nuée, et au-dessus de sa tête... Il a un arc-en-ciel. Donc, l'arc-en-ciel ici, si jamais n'est pas le symbole du mouvement LGBT, hein, l'arc-en-ciel ici, il est justement le symbole de l'alliance des dieux envers l'humanité hein, lors du déluge. Donc, l'arc-en-ciel ici, c'est justement un symbole des grâces et des compassions et d'amour et des bontés de la part des dieux envers sa création. Donc, cet ange-là, il est enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête, il y a un arc-en-ciel, et quand il parle, il parle d'une voix forte, comme un lion qui fugit. Il parle comme des coups de tonnerre. Lorsqu'il parle, le, 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 la terre tremble, la terre tremble au son de sa voix, les montagnes tremblent au son de sa voix. Et puis l'ange, il invite Jean à continuer à prophétiser. Il invite Jean à continuer à annoncer les révélations. Mais personnellement, je ne sais pas vous, mais mon, je pense que Jean, il en avait déjà marre là-dedans. C'est comme s'il si disait, mais Seigneur, encore une fois, là, parce que... Seigneur, j'ai déjà parlé des sept sceaux, j'ai déjà parlé des sept euh, trompettes, j'ai déjà vu tous les cavaliers de l'Apocalypse, les cavaliers blancs, les cavaliers rouges, les cavaliers noirs, les cavaliers de couleur de cadavre. Seigneur, j'ai déjà vu le sang des martyrs qui crient pour justice, des sangs des martyrs qui ont été tués justement à cause de ta parole, à cause de leur foi en toi, Jésus. J'ai déjà vu la terre en collapse, un tiers de la terre était brûlée. Et un tiers des étoiles de, du soleil était entière euh, ici, un tiers de l'humanité était tué. Seigneur, ça suffit, non? C'est quand que tu vas mettre un point final dans tout ça, et puis la nouvelle de Jérusalem va arriver, et puis on va tout chanter Alléluia, gloire à l'agneau. Hein Parce que là, franchement, <laughs> je n'ai marre. Et puis ici, au chapitre 10, le verset 8, il est dit que la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et me dit, Jean, va, prends le livre, prends le petit livre. Parce que l'ange si tout-puissant, il tient un livre dans sa main. Comme j'ai dit, c'est très probable que ce livre, c'est le même livre que du chapitre 5, le livre qui était scellé avec les sept sauts. Le livre avant au chapitre 5, il était fermé. Il était scellé, maintenant le livre il est ouvert. Au chapitre 10, il est ouvert. Et puis au verset 9, il dit, j'allais donc vers l'ange et lui demandais de me donner le petit livre. Il me dit, prends le livre, donc prends-le et avale. -le. Il sera amer dans ton ventre, mais doux dans ta bouche. Il sera dans ta bouche doux comme du miel. Je pris le livre de la main de l'ange et je l'avalai. Dans ma bouche, il fut, il, il fut doux comme du miel. Mais quand je l'ai avalé, mon ventre fut rempli d'amertume. Et puis, on me dit Il faut que tu prophétises de nouveau sur un grand nombre de peuples, des nations, des langues et des rois. Voilà le chapitre 10, plus ou moins. En lisant le chapitre 10, euh, deux questions me sont venues. Je pense que c'est peut-être les mêmes questions qui sont venues à, à vous là, lorsque vous, avez, vous étiez en train de lire le chapitre 10. Donc, il y a deux questions qui me sont venues à l'esprit. La première question, c'est pourquoi est-ce que le livre, qui est justement la révélation de Dieu, il est doux dans la bouche, mais amer dans le ventre. Pourquoi il est doux dans la bouche, mais après la digestion, il devient amer? Et la deuxième question était pourquoi est-ce que Jean, il a, avant de commencer à prophétiser, avant de continuer de prononcer les messages, des révélations, il doit d'abord avaler le livre Et pour comprendre cela, je pense qu'il faut comprendre d'abord la spiritualité de l'Apocalypse. Parce que, comme je vous ai dit dimanche passé, ceux qui étaient là dimanche passé, je vous, je vous ai dit cela l'Apocalypse est un livre. Est plutôt une grande réponse au mal qui est pour le mal qui est dans le monde. L'Église, ici, dans le livre de l'Apocalypse, elle est en train de souffrir. L'Église, ici, elle est en train d'être persécutée. L'Empire romain est victorieux. Il est en train d'écraser l'Église, en train de persécuter les chrétiens. Donc, c'est le chaos, c'est le chaos total. Donc, l'Apocalypse est justement un livre très pertinent pour celles et ceux qui regardent leur vie. Et disent ma vie est un chaos, il n'y a rien qui va, je souffre, j'ai l'impression que tout ce que je fais c'est un échec, j'ai l'impression que Dieu m'a abandonné, j'ai l'impression d'ailleurs Dieu où est-il, est-ce que Dieu existe réellement Donc si on veut comprendre pourquoi le livre il est amer et si on veut comprendre pourquoi il faut l'avaler, il faut d'abord comprendre comment la Bible elle va gérer cette problématique du mal. Par exemple, certains sont adeptes d'une spiritualité mécanique. 1 plus 1 égale à 2. Si tu fais A, alors tu auras B. Hein? Par exemple, si tu t'exposes au soleil sans la crème solaire, qu'est-ce qui va se passer Tu vas... Devenir rouge. Surtout les Suisses qui ont la tendance à avoir la peau très blanche. Hein? 30 minutes au soleil, c'est déjà tout rouge. Quoi. Donc tu vas devenir rouge, tu auras des, des, des brûlures, tu auras des conséquences sur ta peau. Et ça ne sert à rien de dire, euh, euh, ah mince, j'ai oublié ma crème solaire, je dois aller au bord de la mer. Mais par la foi, je vais m'exposer au rayon du soleil toute l'après-midi et ça va aller. Amen. Ça ne sert à rien de dire non plus, euh, euh, écoute Léo, tu sais, je ne suis pas d'accord avec cette théorie-là que le soleil brûle. Pour moi, c'est lui qui a dit ça, c'est du complot. C'est du complot, cette histoire que le soleil brûle, que l'histoire, le soleil fait mal à la peau. Ça, je ne suis pas d'accord avec cette théorie. <laughs> Donc, l'univers, il a ses règles. Par exemple, si je lâche mon attel ici, il va tomber. Ça ne sert à rien de dire non, 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 Léo, je ne suis pas d'accord avec cette théorie-là. Laisse tomber, parce que par la foi, il va monter. Donc, l'univers, il a ses règles. Mais certains croient que ces règles mécaniques fonctionnent aussi pour la vie. Par exemple, 1 plus 1 égale à 2. Maintenant, mets ton fils adolescent dans l'équation. Si tu amènes ton fils tous les jours, tous les dimanches aux ateliers de la Bible, si tu lui fais mémoriser tous les versets bibliques, si tu lui apprends à prier avant de manger, avant de dormir, si tu lui, lui apprends à remercier pour le repas, alors... Alors, quand il aura 13, 12, 15 ans, il ne va jamais essayer de la drogue. Il ne va jamais avoir de mauvaises amitiés. Au contraire, il sera un chrétien exemplaire. Au contraire, il sera un chrétien fidèle et passionné par Jésus. C'est juste. Hum si tu as prié, si tu as jeûné, si tu as fait tout droit avant de te marier, alors ton mariage sera parfait, aucun problème ce sera un succès. Juste Amen <laughs> Si tu as toujours donné la dîme à l'Église, alors tu ne seras jamais au chômage, tu n'auras jamais de difficultés financières. Amen <laughs> La vie, les amis, ne fonctionne pas comme ça. Et nous vivons justement dans ces conflits de parfois faire les choses toutes justes, mais il n'y a rien qui va. Et nous vivons ces conflits de parfois euh, faire tout faux et là tout se passe bien. Il y a tout se passe bien. C'est déjà, déjà passé avec toi ça Tu fais tout juste, mais c'est l'échec. Puis d'autres fois, tu fais tout faux. Et puis c <laughs> donc la vie, vous voyez, n'est pas une machine. Même si nous lisons Deutéronome, le chapitre 18, que si tu obéis à l'Éternel, alors tu auras une vie bénie. Oui, mais jusqu'au moment où Job apparaît dans l'histoire, parce que Job, il était l'exemple parfait de Deutéronome chapitre 18. Job, il a tout fait juste il obéissait à dieu mais il a tout perdu il a perdu famille enfants argent mariage santé c'est pourquoi il ne comprenait pas sa situation si job il avait le recul que nous avons aujourd'hui hein, il aurait dit euh, job comment ça se fait que, que tu vis tout cela comment ça se fait que ta vie est une tragédie là il aurait dit ah c'est la faute du diable parce que c'est ça que le texte dit, hein? que le diable est allé discuter avec Dieu et Dieu a autorisé le diable à toucher la vie de Job. Dieu a autorisé le diable à embêter la vie de Job. Mais si, lorsque tu lis ces textes et tu fais une mauvaise interprétation, tu sors d'une spiritualité mécanique et tu tombes dans une spiritualité magique, tout est Dieu ou tout est le diable? Dieu a fait, Dieu n'a pas fait. Le diable a fait, le diable n'a pas fait. Le diable était méchant, le diable m'a interdit, le diable c'est ci, sinon Dieu là, Dieu, Dieu au diable. Si l'affaire était un succès, alors c'était Dieu. Par contre, si l'affaire était un échec, alors c'était le diable. Personnellement, j'ai du mal à discuter avec des gens qui pensent comme ça. Tu sais, noir et blanc. Blanc, noir. Parce que tu es où là-dedans? Tu es où dans cette équation-là? Quel, euh, quel est ton rôle? Quelle est ta responsabilité dans cette histoire? Aucune. Tu n'as aucune responsabilité là-dedans. Et si tu commences à interpréter les incidents de ta vie en étant Dieu ou en étant le diable, tu deviendras fou. Ou sinon tu deviendras paranoïaque, paranoïaque. Comme une fois j'ai entendu un pasteur à la télé, le pasteur il demandait à Dieu de remplacer son ange. Sa maison était cambriolée, sa voiture volée, et puis le pasteur a dit Seigneur, remplace l'ange là, parce que là ça ne va pas. <laughs> Seigneur, là l'ange que tu m'as envoyé, désolé, mais envoie-moi Gabriel, le vrai. Pas Gabriel Junior, je veux le vrai. Donc vous voyez cette... Euh, je vais revenir au chapitre 10, d'accord? Ah Léo, il est perdu. Non, je ne suis pas perdu. Je suis en train de travailler la, la pensée, d'accord? Donc cette spiritualité-là, magique, elle, elle est compliquée. Elle est. Parce que quand nous lisons le Nouveau Testament, il y a une tour qui tombe. Vous pouvez lire ce passage après à la maison. C'est Luc 13. Il y a une tour qui tombe et 18 personnes sont mortes. Et puis on est allé poser la question à Jésus. Jésus, mais comment ça se fait comment, Pourquoi cette tragédie, Jésus Pourquoi 18 personnes sont mortes, Jésus Et puis Jésus répond, bonne question. Je ne sais pas non plus. Ah Jésus, est-ce que c'était Dieu Est-ce que c'était le diable Bah ben, les amis, peut-être c'était juste l'érosion du sol. Peut-être c'était juste la mauvaise qualité des matériels. <laughs> peut-être c'était juste une erreur de calcul. Ils ont engagé quelques Brésiliens au noir pour faire le travail. Et puis là, tout est tombé, quoi. Je peux faire cette blague, hein Que moi. Donc, donc Jésus lui dit, vous pensez là que ces 18 personnes là, ils étaient plus coupables que les autres habitants de Jérusalem mm -mm. Mais je vous l'ai dit, si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Donc pour Jésus, la spiritualité n'est ni mécanique ni magique, elle est éthique pour Jésus, c'est un chemin de changer d'attitude, c'est un chemin avec Dieu parce que Dieu, il est juge et Dieu il est le rédempteur de l'histoire. Mais Dieu n'est pas le constructeur de l'histoire. Alors je reviens au texte, restez avec moi là parce que ça c'est important. Je répète. Dieu, il est juge et Dieu il est le rédempteur de l'histoire. Mais il n'est pas le constructeur de l'histoire. Dieu, il a choisi de nous donner de la liberté et Dieu, il nous invite à construire l'histoire ensemble avec lui. C'est pourquoi la Bible dit, Si ce n'est le Seigneur qui bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent inutilement. Si ce n'est le Seigneur qui garde la ville, celui qui la garde veille inutilement. Mais Dieu ne peut que bâtir la maison lorsque nos mains là sont au travail. Si nous ne sommes pas au travail, la maison ne va pas se bâtir toute seule, par magie. Ah, mais tout à coup, il y a une maison qui est là. Non. C'est pourquoi, Apocalypse dit, « lorsque Jean il avale le livre, le livre il est doux dans la bouche, mais amer dans le ventre. Pourquoi? Parce que Jésus lui dit, Jean, je vais juger. Jean, je vais agir. Jean, je vais intervenir. Jean, je vais faire justice doux dans la bouche. Mais Jean, tu vas aussi participer dans l'histoire. Tu vas aussi participer. Ton sang, il sera mélangé là-dedans. Jean, il faudra faire des sacrifices. Jean, il y aura des morts. Il faudra tenir bon. Il faudra être fidèle jusqu'au bout. Jean, je ne vais pas résoudre la chose tout seul comme dans une magique. A plus B, non. Il faut que tu t'y engages. Il faut que tu sois avec moi. Jean, c'est avec toi aussi. C'est nous deux là. C'est nous deux dans cette histoire. Voici que je suis à la porte et je frappe. Donc Jean, tu dois l'ouvrir pour que je puisse y entrer. Et cela va coûter cher. Et cela va coûter cher parce qu'il n'a pas de solution magique. Pourquoi le livre est-il doux dans la bouche, mais amer dans le ventre Parce que le livre, il raconte que Dieu il vient agir avec justice. Le livre raconte que Dieu vient agir avec compassion dans l'histoire. Mais il raconte aussi. Les martyrs qui ont été fidèles à Dieu et ont été tués et leur sang crie pour justice. Et lorsque Jean il avale le livre, que tout est mélangé là. Le sacrifice de Jésus, le sacrifice des martyrs. Jean il avale les anges qui sont en train de chanter et d'adorer l'agneau qui est en train de. Mais il avale aussi les cavaliers de l'Apocalypse. Il avale aussi les morts, les famines. Tout est mélangé. Et vous savez, je me demande si il n'a pas eu une brûlure d'estomac après tout. Par exemple, nous, que nous ne faisons que de lire les promesses de la Bible ou des dévotionnels de réconfort, c'est qu'est du miel. C'est bien. C'est qu'est du miel. Il faut tout lire. Et vous savez, la vérité, elle a cette capacité de retourner l'estomac. C'est pourquoi, souvent, nous ne voulons pas écouter ce genre de vérité. Nous ne voulons pas être confrontés dans nos attitudes. Nous ne voulons pas nous regarder devant le miroir et être confrontés avec toutes les choses que nous devons changer nous ne voulons pas être confrontés nous ne voulons pas nous remettre en question nous voulons, nous voulons des mots de victoire c'est ça nous voulons des mots de triomphe nous voulons des mots de ça va venir ça le pasteur j'aime beaucoup cette phrase du pasteur euh, pasteur et écrivain tim keller ou timothy keller il a quelques livres de lui là il a dit une fois si ton dieu n'était contredit jamais tu es peut-être juste en train d'adorer une version idéalisée de toi-même. La parole de Dieu, elle a justement ce pouvoir. Elle est douce, mais elle est aussi amère. Elle est douce, très douce, mais elle va dans la profondeur de ton âme et produit du changement et touche les blessures pour te guérir. Puis il faut avaler. Je me demandais, mais pourquoi en fait il faut avaler le livre Il faut avaler tout simplement parce que notre relation avec Dieu n'est pas une relation cérébrale, vous voyez. Notre relation avec Dieu n'est pas une relation, ce ne sont pas des idées, ce ne sont pas des de, de doctrines, des avis. Non, c'est une relation qui touche notre être en profondeur. Jean, il aurait pu dire, Seigneur, laisse-moi lire le livre. Je vais le lire. Non Jean, tu vas l'avaler. C'est intéressant parce que lorsque nous lisons le prophète Ézéchiel, le chapitre 3, je lui donne aussi un livre qu'il devait aussi avaler. Donc je dirais que l'acte d'avaler le livre c'est justement le symbole d'identification et d'appropriation de message. Dans le sens où le message ne reste pas seulement ici, dans la tête. Il s'est traduit par mes actions. Voulez-vous un exemple d'un prophète qui s'est approprié et s'est identifié avec le message, qui a carrément avalé le livre? les prophètes? Osée. Osée, pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ne connaissent pas, ne soyez pas choqués. Osée, Dieu lui vient, oser lui dit, Osée, j'ai un message, j'ai une parole pour mon peuple. Et puis, qu'est-ce que José répond ?« D'accord, Seigneur, me voici, Seigneur, voilà, compte sur moi. »« D'accord, José, mais d'abord, tu vas te marier. »« Parfait, Seigneur, c'est parti, bah, c'est avec qui ?»« C'est avec une prostituée. »« Avec une, pardon, une qui, là ?»« Une, quoi donc euh, ?»« Et puis, José, il est contrarié. »« Bien sûr qu'il ne le serait pas. Hein? » Donc, Osée, il rentre à la maison et puis il commence à se dire Mais euh, écoute, Dieu, il va m'utiliser pour changer la vie d'une personne. Alléluia, à Dieu. Au fond, tu sais, Osée, ça, ça sera une bonne chose. Elle va arrêter cette vie-là. Elle va arrêter cette vie de prostituée. Et puis, au milieu de la nuit, Dieu apparaît et dit Osée, en fait, j'ai oublié de te dire une chose. Ton épouse n'arrêtera pas d'être une prostituée. Pardon, Seigneur, je ne suis, suis pas sûr qu'on on est de la même longueur. Là. Je ne suis pas sûr si j'ai si tout compris. là. Ah oui, pardon, Ose, en fait, oui, je me suis mal exprimé. exprimé pardon, en fait, en fait, elle ne sera plus vraiment une prostituée. C'est juste qu'elle va continuer à avoir des com, plusieurs compagnons, mais elle ne va pas les faire payer. Seigneur, quoi Tu imagines la crise du gars, Seigneur, comment de... Alors oui, c'est ça, Osée, tu vas tellement l'aimer que tu ne pourras pas imaginer une vie sans elle. Tu vas l'amener chez toi, tu vas t'occuper d'elle de la meilleure manière possible. Mais elle va continuer de courir après ses compagnons. Seigneur, tu veux venir où là, en fait Parce que là, je suis paniqué. Hein. Et puis Dieu dit, Osée, je veux que tu sentes, Osée, je veux que tu sentes ce que je sens en relation à Israël. Parce que tu sais, Osée, Israël est la prunelle de mes yeux. Je meurs d'amour pour Israël. Mais mon peuple continue de courir après des faux dieux. Mon peuple continue de courir après des idoles. Mais même ainsi, je m'occupe d'Israël avec toute mon énergie. Alors, Osée, Tant que tu ne ressens pas cet amour, tant que tu ne ressens pas cette douleur, tu n'es pas prêt pour prophétiser. C'est pourquoi l'ange lui dit à Jean Jean, avale le livre, et seulement après, tu seras en mesure de prophétiser. Vous savez. Euh, Dieu ne nous donne pas seulement une idée, Dieu ne nous donne pas seulement une parole, Dieu, il nous donne un cœur. Un cœur passionné, un cœur rempli d'amour. Avant que Dieu ne donne une parole à quelqu'un, il donne d'abord un cœur. Imaginez beaucoup cette phrase de John Stott. Il a dit une fois Personne ne doit parler de Dieu à une personne. Sans d'abord avoir parlé de cette personne à Dieu. Hum? Vous savez, ce message d'Apocalypse 10 s'applique à nos vies dans toutes les dimensions. Par exemple, tu veux parler avec ton mari, tu veux parler avec ton épouse, ton ami, ton chef. Entre dans ta chambre, agenouille-toi. Et dit, Seigneur, je veux avaler le livre de mon mari. Seigneur, je veux avaler le livre de mon épouse. Je veux avaler le livre de mon enfant. Et Dieu te dira, es sûr? Tu veux vraiment entendre tout? Seigneur, je veux avaler le livre de mon mariage. Es-tu sûr là? T'es sûr? Seigneur, je veux avaler le livre du pourquoi tout ce que je fais est un échec. Seigneur, je veux avaler le livre du pourquoi je suis quelqu'un de solitaire. Du pourquoi je n'ai pas de vraies amitiés. T'es vraiment sûr de lire ce livre-là? Seigneur, je veux avaler le livre du pourquoi je suis rempli d'amertume. Je veux avaler le livre du pourquoi je suis rempli de rancune, du pourquoi je laisse derrière moi une trace de relations brisées, euh, frustrées, mal commencées, mal terminées. Et puis Dieu lui vient et te dit Mais tu es vraiment sûr que tu veux entendre qu'il y a des choses à ton sujet qui sont merveilleuses et que lorsque tu commenceras à lire, tout ce que je pense de toi sera comme du miel. Par contre, à un moment donné de ta lecture, ou plutôt de la digestion, ton stomac sera retourné. Bien sûr. C'est pourquoi, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont anti-psychologues, anti-... -psychologues, anti -psychologues, psychiatre, antithérapie. Elles disent, je, je ne suis pas folle. Je ne suis pas folle. Vous savez pourquoi Parce qu'elles savent qu'à qu un moment donné, quand leur vérité la plus profonde devra sortir, ça sera amer. Ça sera amer. Mais nous avons quelques options, n'est-ce pas l'option de l'aliénation. Hein? Nous avons l'option euh, de l'illusion. Nous avons l'option du déni. Et nous continuons à vivre hein? en mettant toujours la faute sur les autres. C'est à cause de ton, tol, de ton collègue, c'est à cause de ton papa, c'est à cause de ta maman, c'est à cause que dans ton enfance, c'est à cause de ceci, c'est à cause de ton chef qui ne te donne jamais d'opportunité, c'est à cause du pasteur qui m'a dit ceci, c'est cause. C'est toujours la faute aux autres. Et puis on vit comme ça, quoi. C'est le diable. Ah oui, le diable, là, dernièrement, l'ennemi. Mais nous avons aussi l'option de nous mettre réellement devant Dieu. Et de dire, Seigneur, parle-moi. Seigneur, tu peux mettre ta main là-dedans, dans la profondeur de mon âme et tout révéler. Et parfois, vous savez, Dieu il fait cela dans ta chambre. Parfois, Dieu fait cela à travers un professionnel qualifié, un pasteur, un ami. Et lorsque nous sommes réellement visités dans notre âme, cela change tout, les amis. Cela change tout. C'est différent, n'est-ce pas, quand quelqu'un te demande du pardon, te, de, te demande pardon d'une manière euh, protocolaire. Et ça, ouais, pardon. Ouais, là, ouais, mais et quand le pardon vient vraiment de tout au fond de l'âme, c'est différent, n'est-ce pas C'est la prophétie. La prophétie, c'est justement la parole qui va là jusqu'au fond de ton être, à la rencontre de ta vérité la plus profonde et déverse l'amour, la grâce, la bonté de Dieu là où tu te trouves. Alors, qu'avons-nous besoin aujourd'hui de notre société? Nous avons besoin d'une église qui avale le livre, des personnes qui aient leur trip qui est leur être intérieur profondément touché et ému de compassion. Nous avons besoin de papas, de mamans, de frères et sœurs, des amis, des pasteurs qui avalent le livre qui prophétise la parole de Dieu pour cette société. Et ma parole, c'est que ma prière, c'est que la parole de Dieu soit un livre que tu aies le courage d'avaler et que tu sois défié. Et que tu découvres ainsi la grandeur de l'amour de Dieu pour toi. Amen. Et cela sera doux comme du miel dans ta bouche. les psaumes 19, 19, il dit que la voix de l'Éternel, les paroles de l'Éternel sont plus douces que le miel. Alors, frères et sœurs, que la parole de Dieu te trouve, te visite, c'est que ta conscience, que la parole de Dieu te pénètre dans la profondeur de ton âme, qu'elle retourne ton estomac, et puis ensuite qu'elle déverse l'amour, le pardon, la grâce et de nouvelles opportunités, pour que tu puisses ainsi continuer à avancer dans la vie. Amen. Apocalypse 10 J'aimerais prier pour vous. Seigneur, je, je te bénis pour ce matin. Je te bénis, Seigneur, parce que ta parole, elle est vivante. Tu es vivant. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu nous parles à nos cœurs. Je prie, Seigneur, que je ne sais pas comment ce message, Seigneur, a, a touché la vie de tous ceux qui sont ici et de tous ceux qui nous regardent sur, sur Internet. Mais je prie, Seigneur, que, que ta parole puisse aller en profondeur et produire du changement. Même si cela coûte cher, même si cela c'est amer. Mais que ta parole, Seigneur, vienne produire du changement viennent produire de la guérison viennent produire viennent délivrer les gens au nom de jésus bénissez la vie de chacun et chacune ici ce matin amen